Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Trélistéria. J'espère que vous vivez pas trop mal ce confinement. Et de toute façon, comme t'as pas le choix et que t'es obligé de rester chez toi, je te propose cette vidéo sur l'hydratation. L'hydratation est vraiment une part importante de notre pratique de la course à pied. Idéalement, vous devez boire entre un demi-litre et un litre par heure. En fonction de la durée et de l'intensité de votre pratique de la course à pied, une multitude d'options d'hydratation s'offrent à vous. Partons de la pratique la plus courte et la moins intensive. Et là, j'entends déjà tous les rageux me dire « Bouah, il y a quasi que du Salomon !» Eh ben mec, je fais avec ce que j'ai. Malheureusement ou heureusement, je suis ambassadeur de la marque, et donc du coup, je fais avec ce que j'ai, voilà. Et si t'es pas d'accord, ben tu peux toujours bouger, hein. Vous avez ici, par exemple, les soft flasks de 150 ml. Tout petit pour les courtes distances avec une faible intensité. Et puis si vous en avez marre de tenir comme ça, vous avez les solutions hop, avec une petite poignée comme ça. Ici on est sur du 500 ml, donc déjà une plus grosse capacité. On peut aller presque à une sortie d'une heure facilement. Si vous n'aimez pas le principe de tenir votre gourde en main, vous avez les solutions des ceintures d'hydratation. Alors ici, on a une Fitletic Hydra 16 avec des petits bidons de 150 ml. Il y en a deux. Vous avez même de quoi ranger votre téléphone, vos clés et tout ça ici. Et il y a un petit porte-dossard. Ou ici, par exemple, on a une ceinture porte-bidon de chez Scott avec une gourde de 600 ml. Voilà. Donc là, ici, on est sur une pratique de plus ou moins une heure. Autre type de ceinture, ici, vous avez la Pulse Belt de chez Salomon où vous pouvez facilement mettre une flasque comme celle-ci de 500 ml. Hop. Elle passe dans la poche à l'arrière. Et voilà. Ou celle-ci, une ceinture de chez Friction. Et ici, on sait mettre deux flasques de 500. Augmentons l'intensité ou la durée de la sortie. Donc ici, on va devoir augmenter les capacités. Et on passe sur deux flasques de 500 ml. Donc ici, on est sur le gilet Agile 2 7. Voilà. Donc un petit sac avec une petite capacité de 2 litres. Donc ça veut dire que vous avez de quoi mettre votre veste ici. Une ou deux petites barres sur l'avant. Hop. En plus des flasques de 500 ici et ici. Dans ce sac, vous aurez les nouvelles soft flasques avec un bouchon large comme celui-ci qui remplace les anciennes soft flasques avec le petit bouchon. Voilà. C'est exactement les mêmes, il y a juste le bouchon qui change. Ça veut dire que sur ces nouvelles flasques, vous pouvez rajouter une straw comme celle-ci, une petite paille, comme sur les soft flasques Fast de chez Salomon. En parlant des flasques, Salomon a sorti dernièrement une petite merveille qui est celle-ci. C'est une flasque avec une cartouche au charbon actif. Ça veut dire que vous pouvez aller puiser votre eau dans n'importe quel point d'eau et puis hop, vous buvez et le tout est filtré. Partant sur une distance un peu plus longue et donc besoin de plus grosse capacité de liquide et d'hydratation, on va partir ici sur un gilet ADV Skin 5. Donc ici, vous avez toujours les deux flasques de 500 que vous pouvez rajouter ici. Mais vous avez la possibilité de mettre une poche à eau de 2 litres. Comme celle-ci, mais en plus, est compris dans ce sac, une petite poche thermo pour garder votre liquide bien au chaud ou bien au froid. Bien au chaud. Comme si tu allais mettre ton petit café ou ton petit cacao dans la poche d'eau. Attention maintenant, dans la majorité des organisations de course, on trouve de moins en moins de gobelets en plastique. Donc pensez à prendre le vôtre comme celui-ci. Hop. Et voilà, ici on est sur un petit gobelet Compressport, mais il en existe un petit peu partout, chez Decathlon, chez Salomon et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait sortir de ton petit train-train quotidien qui est le confinement, juste pour parcourir comme ça les possibilités qu'il y avait. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, voir si t'as une autre solution d'hydratation. Et je te dis en attendant, à plus sur les sentiers. Mais non, quand tu cours. Et on t'entend, hein. C'est le micro là en haut, il entend tout, hein. Là. Allez, viens. Couché. Mais j'ai pas fini.